et un engagement à venir dans un petit instant. À proximité donc de la cage de Dany Sabourin en zone défensive rouennaise. Ça s'échauffe avec Olivier Dalmalka. Et voilà. Tiens donc. Et c'est parti. Les coups qui partent. Ah, bah, comme ça, il va pas finir un match. Avec Villiers Varacas. Mais par contre, il a gardé ses gants, Olivier Dalmalka. Voilà. Et il est solide aussi en face. Hein. Ouais, qui sort vainqueur là. Parce que pour tenir Dalmalka, il faut quand même être costaud. Ah, le Finlandais costaud, c'est vrai. Ouais, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Deux en deux pour Olivier Dalmalka. Alors les joueurs vont sortir tout de suite. Hein. Après une bagarre, on est tout de suite envoyé au vestiaire. On va laisser quand même ce le qui Suédois. N'est pas le cas en NHL, hein. Ouais. On va laisser quand même le joueur de Djurgården sortir. On va pas les sortir tous les deux en même temps. Non, en même temps, ça ils vont aller se finir. C'est pas la peine. Quelques secondes d'écart. Bon, il semblait pas trop touché, hein, Olivier. Je pense que le sang sur le maillot, c'était plutôt celui de son adversaire. Ah, il avait encore ses gants. Hein. C'est étonnant parce qu'en général, quand il y a une bagarre comme ça, on enlève les gants. Et là, Olivier Dalmalka avait encore ses gants. Ah, ils sont pris pour Yoka. Ah oui. On va voir comment c'est passé. Champion là. Olympique des lourds. Ils sont là, ils se parlent, discutent. Oh, c'est rapide au moins. Ça veut déjà dire qu'ils se sont compris. Hein. Je ne sais pas en quelle langue ils ont parlé, mais. Et on va revenir au jeu avec cette occasion. On va repartir.